messieurs, bonsoir. Bienvenue sur TMJ, Télévision de Montjoyeux. Vous allez découvrir le séjour cinéma de la classe CM1 et de l'école Saint-François de Saint-Didier au Mont-d'Or. Nous commençons tout de suite avec les séquences de duel en tournée montée. On commence aujourd'hui jusqu'à vendredi. Alors, ce matin, on a une petite heure à passer ensemble. C'est le seul moment de votre séjour où je ferai entre guillemets un petit cours pour vous expliquer un petit peu l'alphabet de la vidéo. Parce que quand vous étiez au CP tout petit, on vous a appris l'alphabet. Avec les lettres de l'alphabet, vous avez réussi à écrire des mots, avec des mots à écrire des phrases, et avec des phrases à écrire des textes. D'accord ? Eh bien, la vidéo c'est pareil, le cinéma, la télévision, la pub, tout ce que vous voyez en image dans une salle de cinéma ou sur un écran de télé, ça obéit aux mêmes règles. Eh bien, les gens qui font tout ça, ils ont appris eux aussi l'alphabet vidéo. L'alphabet vidéo, ce sont des plans, vous savez, c'est différents cadrages, différentes images que je vais vous apprendre et que vous allez ensuite vous pratiquer. C'est vous qui allez filmer. Tu peux basculer d'une caméra.
Charlot. Voici de nouvelles séquences de muets réalisées par nos élèves. Et bien aujourd'hui, la relève est assurée. La preuve sur ces images. Madame, monsieur, bonsoir. Pour demain, c'est à temps à rester à la maison. Tellement les perturbations vous nous embêtez. Et oui. Et oui. Et puis, contrairement au nord, où il ne fera pas bon du tout, du tout. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur TMJ, Télévision Montjoyeux. Pour la météo, toujours joyeuse, même quand il fait mauvais. Pour demain, c'est un temps perturbé qui nous attend. Doit la Corse nous réserve un temps explosif. Pour les températures, on va tomber la chemise et on va s'exposer le bronzage. Tout comme à Toulouse, où il fera bon sentir l'ammoniaque du matin. Pour les températures, ça s'en va et ça revient. Le lundi, le soleil vient à la maison et il y a le printemps qui chante. Je vous souhaite une bonne soirée sur notre chaîne. Tout comme la Normandie, où il va pleuvoir comme vache qui pisse. Amis, bonsoir. C'est l'art qui vous parle de la météo. Autant vous le dire. Je n'y comprends pas grand-chose. Mais bon, on m'a dit de le faire. Alors
bonsoir. Pour demain, Satan a resté à la maison. Donnez-moi les perturbations vont nous embêter. Eh oui, on peut peut-être au printemps, mais l'hiver n'a pas dit son dernier mot. La preuve, il neige encore vers les sommets des Alpes. Dans le sud, c'est un temps plus sympa. Et sympa. Qui vous attend avec de larges passages ensoleillés. La Corse nous réserve un temps explosif. Amis du soir, bonsoir. Pour demain, c'est un temps perturbé à commencer par la Bretagne. Par la Bretagne, comme d'habitude, qui nous arrose copieusement. Comme on dit, comme d'hab, c'est chantons sous la pluie. Et en Corse, on va tomber la chemise. Et on va s'exposer le bronzage, tout comme à Toulouse. Dans le sud, c'est un temps plus sympa. Qui vous attend? Ah, oui, c'est vrai. Merci. Merci. Oui, il ne fera pas bon du tout. Sur la face atlantique, un temps correct avec des vents intéressants pour pratiquer le surf. Côté température, des normales saisonnières sur l'ensemble du pays, avec cependant quelques gelées matinales. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas ce soir notre excellent film, Il était une fois. Les petites Saint-François en Mont-Joyeux. Bonsoir. Au nord, il fera froid. Au sud, il fera chaud. Maintenant, pour la mer. En Atlantique, c'est bon pour le surf, surtout pour les sports d'hiver. Pour les sports d'eau. De mer. Sur la face atlantique, un temps correct avec des vers. Avec des vents intéressants. Le nord, il va faire un temps super, et dans le sud aussi. Et encore, tu vas pouvoir te baigner. Et à l'est, il va faire un temps pourri, et à l'ouest aussi. Au revoir et à bientôt. Bonsoir. Sur TMJ, Télévision Mont-Joyeux, pour la météo, toujours joyeuse, même quand il fait mauvais. Pour demain, c'est un temps perturbé qui nous attend. À commencer par la Bretagne, qui, comme d'habitude, nous arrose copieusement, tout comme la Normandie où il va pleuvoir comme vache qui pisse. Dans le sud, même quand il fait mauvais. Pour demain, c'est un temps perturbé qui nous attend à commencer par la Bretagne. Mais du côté de la Méditerranée, il y a du soleil et des nanas. On va s'en mettre jusqu'à là. Après petites annonces d'Elie Simone, voici les petites annonces des élèves de CM1 de l'école Saint-François. Oh, bonjour, là. Je m'appelle Charles-Édouard. Samedi, j'ai une grande boum. Si t'es libre, tu peux venir. Surtout si t'es une belle blonde à croquer, une belle meuf aux yeux bleus. Tu viens tout de suite. Mais si t'es une mocheté publique, non. Là, tu rentres chez toi. Mais tu peux pas m'appeler sur mon portable 06 17 89 90 ou chez moi 04 78 29 30 40. Aujourd'hui, je me sens très mal. J'arrête pas de vomir tous les jours dans le bus, dans le train et même quand je suis assis. S'il vous plaît, est-ce que vous pourrez m'aider? Même ma famille est malade. Vous me trouverez dans un arbre très haut et surtout, faites très attention. C'est pas très propre, surtout avec tout le vomi que j'ai vomi. Je m'appelle Vomita. Merci, au revoir.
Allez, ça ira mieux, tu commenceras. Oh là, c'est dur. Il a l'air dur. Bonjour. Ouais, quand je gratte beaucoup, quand je le gratte, il y a de la croûte qui sort. Alors mon petit frère, il prend ça pour des chips, alors il les mange. Si vous connaissez un docteur, enfin, pour faut que ça soit gratos, hein, gratos. Alors, si vous en connaissez un, vous pouvez me contacter sur www.gratter.fr. Au revoir. J'ai perdu un chien. Je l'adore ce chien. Je l'ai perdu, c'était à New York, j'étais en vacances avec mon copain Marcello. Donc j'aimerais bien le retrouver. Il a une grosse tête, il est brun, il a une jambe tordue. Donc si vous voulez me contacter. Oh non, j'oubliais. J'étais à New York, c'était le 11 septembre 2001 tous les gens couraient dans tous les sens, donc je savais pas, peut-être qu'ils couraient après mon chien. Je crois que c'est ça. Alors si vous voulez contactez-moi sur www.jaiperdumonchien.net. Bonjour. Je comprends pas parce que je m'appelle Sophie et j'ai un magasin et je comprends pas pourquoi il y a personne qui vient dans mon magasin. Bon d'accord, il y a des poubelles. Mais je comprends pas qu'il y ait personne qui vienne dans mon magasin. Pourtant, je suis dans une rue avec beaucoup de monde qui passe et je comprends pas pourquoi il y a personne qui vient. J'habite à Saint-Didier-Mont-d'Or et si vous pouvez m'aider, contactez-moi à www.jaipasdecommerçant.com. Bonjour, je m'appelle Valentine. J'ai une copine qui est invitée à une boum super. Et elle m'a demandé de lui prêter une bague. Et je ne sais pas laquelle choisir. Il y en a une avec une feuille et l'autre avec une fleur. Si vous voulez m'aider, contactez-moi au 06 61 93 21 03. Merci. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Morgan, je suis un bébé. Et ma maman, en fait, elle me dit de faire la grammaire, mais je ne sais pas faire la grammaire. Attention, hein, c'est pas la grammaire, le mémé, hein, c'est la grammaire. C'est dans le français, c'est avec l'autographe. La gamelle, le spessoriquite et le vocabulaire. Et en fait, je voudrais une maîtresse parce que j'aime pas trop les maîtres. Donc, si vous êtes libre, vous pouvez venir au 21 rue du Beaujoli et au www.jeneseispasfrancais.fr. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bayeuse, et j'ai l'impression que c'est une maladie. J'arrête pas de bailler sans arrêt parce que mon métier il est crevant. J'essaye les lits, une super marque de lits, et j'aimerais bien trouver un médicament pour m'aider. Et si vous voulez m'aider, contactez-moi sur mon site www.bailleuse.fr.
je m'appelle Katrina. J'ai un hôtel-restaurant 4 étoiles au bord de la plage. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de clients normal, mais j'ai des stars comme Michael Jackson. Si vous avez une idée, merci de me contacter au www.jaipasdeclients.fr. Merci Alex. Bonjour, je m'appelle Jennifer, j'ai gagné à Star Academy. J'ai beaucoup de style et aussi beaucoup de talent de styliste. J'aimerais beaucoup faire du défilé de mode avec des grandes stars. J'ai aussi une copine qui s'appelle Loana, qui a gagné à Love Story et elle a beaucoup de style aussi. On voudrait ouvrir une agence voilà. Si vous voulez nous contacter sur notre site www.jenniferlamode.fr. Bonjour, je m'appelle Alexandre Lassante, je suis vendeur de sang dans un magasin qui s'appelle Lassante, qui est à Paris. Dans mon magasin, il y a de la cendre, il y a aussi des cendriers et des cassettes de cendrillon, où les enfants l'aiment bien, même ma fille l'aime bien. Et j'ai pas beaucoup de clients, donc si quelqu'un pourrait m'aider, ça serait super. Si vous voulez me contacter par le net, cliquez sur www.jeveuxdelassant.fr. Merci. Salut, je m'appelle Alex et je voudrais échanger ma collection de bouchons, de bouchons de plastique. Donc c'est des beaux bouchons, bien bleus, rouges et toutes les couleurs. Et je voudrais l'échanger contre une bonne armée de soldats de plomb, bien plombés et bien beaux, avec le chef. Et vous voulez m'échanger ça, vous me contactez à www.jeveuxchangermacollectiondebouchons.fr. Eh bien, nous revoici donc maintenant pour un festival de séquences, celle du troisième jour, l'avant-dernier déjà de cette classe cinéma. Avec dans l'ordre les dernières petites annonces suivies des météos, nouvelle formule avec la vignette. Vous verrez, c'est un petit peu différent de ce que vous avez vu jusqu'à présent avec le fond bleu. Ensuite, les derniers duels et les dernières séquences de Muet. Enfin, la première partie des sitcoms et un premier court-métrage réalisé l'après-midi de ce jeudi. Allez, c'est parti, festival, la votre séquence à vous. On appellera ça la séquence du spectateur. Thank you.
chose ne va pas. C'est Claudia, elle m'a laissé tomber. Pour un autre. Un moche en plus. Mais c'est pas grave, t'es pas le premier à qui ça arrive. C'est pas la fin du monde. C'est facile à dire. Toi, tu risques pas d'avoir le problème, ce problème, parce que tu n'as pas de mec. Alors là, c'est vraiment pas sympa. Puisque c'est comme ça, débrouille-toi tout seul avec tes déprimes. Non, reste. Excuse-moi. Thomas, prise 1. Et qu'est-ce que tu as? Rien, laisse-moi tranquille. Mais parle-moi, je suis ton amie. C'est Claudia, elle m'a laissé tomber. Un moche, en plus. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. C'est pas la fin du monde. C'est facile à dire. Toi, t'as pas ce problème, vu que t'as pas de nana. Alors, si c'est comme ça, moi, je m'en vais. Non, excuse-moi, je suis sur les nerfs en ce moment. Reviens, reviens. Ah, Claire est là, prise 1. Toi aussi, t'es convoquée? Ouais, je fais une grosse bêtise, comme toi, je parie. Non, enfin, moi, ce n'est pas trop grave. J'ai juste fait pipi au lit. Mais ce n'est pas de ma faute si je fais des mauvais rêves. Alors là, tu pousses un peu. À qui tu vas faire croire que tu peux pas te retenir? Dis-toi un cauchemar. Mais sois sympa, ne dis rien à la personne. Sinon, bonjour la honte. Et toi, pourquoi t'es là? Oh, c'est gênant à dire. J'ai menti à la maîtresse en lui disant que j'avais oublié mon cahier, que j'avais perdu mon cahier de devoir. J'ai pas pu travailler. Moi, ce n'est pas de ma faute. Mais toi, t'es menteux. Je te demanderai, et à ta place, je parlerai. Je me retiendrai un peu, sinon demain, toute l'école va savoir pourquoi t'es venue chez le directeur. T'es vraiment une fausse copine, je te parle plus. Oh, t'inquiète pas, je suis gentille. Viens, ça restera entre nous deux. Merci. Alexandra, Ladylike, prise 1. Tu viens jouer au foot? Non, je suis fatiguée. Fatiguée de quoi? J'ai pas à te raconter ma vie. Oui, tu as tout à fait raison. De toute façon, tu n'as pas grand chose à me raconter. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu crois que ta vie est passionnante? Eh ben ma vieille, entre la Game Boy, l'école et les Pokémon, y a pas de quoi écrire un bouquin. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Parce que toi, ta vie, c'est pipi, caca, dodo. Maman, alors, camembert. Alors, oui, je la connais. Le jour où tu seras aussi forte que moi, à l'école, les poules, elles auront déjà des dents. Les coques pondront des œufs, merci, je connais. Salut, poule mouillée. C'est ça, au revoir, jeune poulette à grains. Cote. Sébastien, prise 1. Tu viens jouer au foot? Non, je suis fatiguée. Fatiguée de quoi? J'ai pas à te raconter ma vie. Ouais, t'as tout à fait raison. Et puis de toute façon, t'as pas grand chose à me raconter. Et toi, tu penses que ta vie elle est passionnante? Avec ta Game Boy, l'école et les Pokémon, y a quoi te faire un bouquin? Oh, toi, si tu me cherches, tu vas me trouver. Toi, ta vie c'est pipi, caca, dodo, maman. Alors camembert. Ah ah, je me marre. Le jour où tu seras plus fort que moi à l'école, les poules auront des dents. Ouais, et les coqs pondront des œufs, ça va, je connais. Hey, salut poule mouillée. Salut poulet grand, code. Cinéma, Alexandra et Dilek, prise 1, 2. Tu viens jouer au foot? Non, je suis fatiguée. Fatiguée de quoi? Je vais te raconter ma vie. Oui, tu as tout à fait raison. De toute façon, tu n'as pas grand-chose à me raconter. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu crois que ta vie est passionnante? Eh ben, ma vieille, entre l'école, la Game Boy, les Pokémon, il n'y a pas de quoi écrire un bouquin. Si tu me cherches, tu vas me trouver.
se connaît. Salut, poulet. Oui, c'est ça. Au revoir, jeune poulet. Il était une fois un cordon. Chers téléspectateurs, chez Alexandre qui vous parle sur TFJ, la télé du monde joyeux. En Bretagne, il fera beau pour aller à la piscine. Côté Bretagne et Normandie, comme d'hab, c'est chantons sous la pluie. Mais du côté de la Méditerranée, il y a du soleil. En Corse, on va tomber la chemise et on va s'exploser le bronzage. Il va faire des vents de 70. Il va pleuvoir aux Alpes. Et le lundi, il va pleuvoir aussi. Au revoir. Je vous attends. Il y aura beaucoup de soleil, surtout sur la Corse. Vers les Alpes, il pleuvra. Et même parfois il neigera. Degré. Au revoir.
m'appelle Griri. J'en ai marre de ce surnom. Ma chambre est trop petite, mes parents sont trop sévères, ma famille est énervante, ma chambre est trop petite, ma télé est trop petite, mon ordinateur aussi. Et j'engueule tout le monde. Et donc, si vous voulez m'aider, bah, contactez-moi sur mon site www.jengueuletoutlemonde.com. Grégory, viens ici, t'as pas fait la vaisselle, dépêche-toi. Grégory, viens ici. Qu'est-ce que tu fais à parler aux caméras, toi? Viens ici, voyou, je vais t'apprendre à vivre, moi. Bonjour, je m'appelle Pécotor et je suis un peu, j'ai beaucoup de problèmes. Je suis un peu bête, vraiment très bête. Et tout le monde me dit des billes, mais j'ai pas des billes. Alors, si vous pouvez m'aider à m'aider à trouver quelque chose ou des maîtresses pour m'aider, je serais très gentil. Et vous pourrez me contacter sur le www.debilos.com. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Thomas et je suis très sportif. Je cherche un club où on peut m'accepter au foot. Et je tiens tellement fort que ceux qui sont dans les cages, quand je tire, ils vont dans les cages avec le ballon. Au tennis, dès que je serre, hop là, ils se protègent les coucougnettes. si vous avez un club, ben, contactez-moi au www.jesuissportif.fr. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Sally. Mais c'est pas parce que je m'appelle Sally que je suis sale. Au contraire, je suis très propre. Et j'en ai marre que tout le monde me prenne mes affaires. Mes affaires tout propres, on me les prend tout le temps. Alors j'en ai marre. On me prend même mes petites culottes, toutes propres. On me prend aussi mes chaussettes toutes propres qui sentent la violette et les pieds. Et on prend même mon blouson, tout propre qui sent la lavande. J'en ai marre. Chaque fois, on prend toutes mes affaires. Alors si vous voulez bien m'aider, eh ben, il faudrait m'acheter un chien tout propre pour garder mes affaires. Alors, si vous voulez bien m'aider, vous pouvez m'appeler sur mon site www.fr. Bonjour, je m'appelle Nickel. J'ai un petit problème, un gros problème. Et j'ai pas mangé les doigts, j'ai presque la chair. J'ai même que tout à l'heure, j'ai mangé mon voisin. Il était gras, il n'y avait pas de viande. Si vous pouvez me saigner, contactez-moi au www.j'attends-manger-les-doigts.com. Tu m'énerves. On cherche une publicitaire. Ne vous inquiétez pas, ça sera pas cher. On est très sage. On est très sage. Vous voyez, hein, comment vous constatez. On s'engueule pas très souvent, non, hein. Mais une ou deux fois par heure, hein, mais c'est pas beaucoup pour nous. Ouais. Hein. C'est pour vous, mais si vous voulez, tatouage, cause là. Si vous voulez, vous pouvez nous contacter. www.fr. On s'engueule. Fr. Bonjour, j'ai un petit problème, j'arrête pas de zozoter. Si vous pouvez, même quand je fais zozo, tout le monde se moque de moi. Et aussi sur le regard de Zoro le film, Zoro, je zozote tout le temps. Alors si vous pouvez m'aider, contactez-moi au www.zozoterie.fr. Zozote. Au revoir. Bonjour. C'est trop horrible. J'arrive pas à rigoler. Vous pouvez savoir, mais vous avez déjà deviné mon petit problème. Ah, c'est que je rigole tout le temps, mon petit problème.
besoin d'une gouvernante pour me garder. C'est que celle l'ancienne était vraiment méchante. J'avais même pas le droit de prendre la caisse de mes parents. Et alors je l'ai giflé et ça lui paraît. Passionnante. Excuse-moi vieille, mais entre la Game Boy, l'école et les Pokémon, il n'y a pas de quoi écrire un livre. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Ta vie à toi, c'est pipi, caca, dodo, maman. Alors camembert. Je me pisse de rire. Et toi, quand tu seras plus forte à l'école, eh ben les poules auront des dents. Oui, et les coqs pourront des œufs. Merci, je connais. Allez, salut poule mouillée. C'est ça, salut jeune poulet au gras. Coca-Colette. Stick Tom, Maïlise Valentine, prise 1. Qu'est-ce que tu as? Rien, laisse-moi tranquille. Mais parle-moi, je suis ton amie. Je vois bien que ça ne va pas. C'est Kevin, il m'a laissé tomber. Pour une autre, une moche en plus. Mais c'est pas grave, t'es pas la première à qui ça arrive. Remets-toi, c'est pas la fin du monde. C'est facile à dire. Toi, tu risques pas d'avoir ce problème, vu que tu n'as pas de mec. Alors là, c'est pas sympa. Puisque c'est comme ça, débrouille-toi toute seule avec ta déprime. Non, reste. Excuse-moi. Je suis sur les nerfs en ce moment. Il faut que tu me comprennes. Reviens. Alors, c'est la dernière fois. Sitcom, Léa et Sophie, prise 1. Toi aussi, t'es convoquée? Ouais, j'ai fait une grosse bêtise, comme toi, je suppose. Moi, c'est pas grand-chose. J'ai juste fait des pipi au lit. C'est pas ma faute si je fais des cauchemars. À qui tu vas faire croire que tu n'es pas capable de te retenir? Moi, j'ai fait un cauchemar, mais n'en parle à personne, sinon on va la honte. Et toi, t'es là pourquoi? C'est gênant à dire. J'ai menti à la maîtresse en lui disant que j'ai perdu mon cahier de devoirs. J'ai pas le temps de travailler. Moi, c'est pas ma faute, mais toi, t'es une menteuse. À ta place, je ne parlerai pas comme ça. Sinon, demain, toute l'école va savoir pourquoi t'es allé voir le directeur. Alors là, t'es une fausse sœur, je te parle plus. Oh, c'est bon, je suis correcte. Ça restera entre nous. Merci. Sitcom Julien Alexandre, prise 2. Tu viens jouer au foot? Non, je suis fatiguée. Fatiguée de quoi? J'ai pas te raconté ma vie. Ouais, t'as raison. Puis de toute façon, t'aurais pas grand chose à me raconter. Et toi, tu crois que ta vie est si passionnante que ça? Entre ta Game Boy, l'école et les Pokémon, il n'y a pas quoi écrire un bouquin. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Parce que toi, ta vie, c'est plus quelqu'un de dos, maman. Alors, camembert. Je m'en vais un jour, tu trouveras mieux que moi à l'école et les poules auront des dents. Puis les coques pendront des œufs. Merci, je connais. Salut, poule mouillée. C'est ça, salut, poulet au grain, 4-4 codec. Si on a domaine du monde joyeux, il y a la classe cirque avec les CE1 et les CM2.
Voici notre reportage. Nous avons filmé le cirque avec Jean-Baptiste en train de faire ses assiettes chinoises. Les CM1 pratiquant la magie et la clownerie. Les CM2 découvrent la jonglerie et l'équilibre sur fil. Dans notre reportage, nous avons filmé le potager. Les enfants ont commencé par désherber, puis ils ont continué par répondre à nos questions. Ensuite, nous avons rendu visite au parc animalier. Je vais vous présenter les animaux de la ferme. Voici les... C'est plus gentil d'être... C'est de faire ça va être...